YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va vraiment super, les amis. Donc, aujourd'hui, après quelques jours, ou même peut-être quelques semaines où j'ai pas de post-it vidéo, on s'en refait une petite. Voilà, un petit truc que je voulais vous partager qui était assez sympa. Que j'ai vu ça dans les actualités jeux vidéo. Excusez-moi. Donc, du coup, je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé ça assez. Comment vous dire. What the fuck, hein, c'est vraiment le terme là qu'on peut employer. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait. Hein. Comme vous avez pu déjà le voir au nom de la vidéo, je pense que vous avez pu vous imaginer le bordel que ça peut être. Hein. Je suis quand même apprécié, je suis désolé de ma petite de mon inactivité. Hein. Mais bon, comme vous le savez, pour moi maintenant YouTube, voilà, c'est. Plus que c'était en tout cas. Alors on va passer au vif du sujet les gars. Alors il s'est passé vraiment un truc complètement what the fuck. Alors il y a, ça s'est pas passé en France bien entendu, mais ce genre de choses n'arrive pas en France, enfin c'est vraiment compliqué d'arriver, que ça arrive en France. En fait il s'avérait qu'un enfant de 11 ans voulait acheter GTA 5 online, enfin GTA 5 quoi tout court, et sa mère avait pas trop les moyens, donc du coup on va te le prendre d'occasion. Ok maman, pas de problème, on prend l'occasion, pas de problème. Excusez-moi. Donc ils se rendent dans un magasin de jeux vidéo d'occasion de leur pays en question, hein. Bien sûr, je crois que c'était l'Amérique, hein. Je crois que c'était en Amérique. Hein. Donc du coup ils le trouvent d'occasion à un prix très abordable, hein. Ça s'est passé le 11 mai. Le 11 mai dernier, il le trouve dans un magasin d'occasion à prix abordable. Et bon, bah super, le gamin était content, etc. Et une fois, bon, il rentre chez eux. Une fois arrivé chez eux, le petit de 11 ans voulait jouer à son jeu, quoi. Bon, admettons, hein, d'acheter GTA pour un enfant de 11 ans. Bon, c'est chaud quand même pour les parents, mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Et donc sa mère, après, elle rentre dans la chambre pour lui demander si le jeu est bien, donc elle connaissait pas, elle regarde. Et là, stupéfait, elle trouve sous la notice du jeu, hein, elle trouve quoi? Je vous donne dans le mille, les gars, elle trouve quoi? De la cocaïne. Ou de la méthamphétamine. Alors, il n'y a pas vraiment de précision dans le lien de l'article. Hein. Bien entendu, le lien de l'article, je vous le mettrai en description. Mais il n'y a pas vraiment de grosse précision, en fait, au niveau de la drogue qui était dans la boîte du jeu. Mais il découvre de la drogue en fait dans leur dans la boîte du jeu, quoi. Donc tout simplement le gamin de 11 ans du jeu qu'il a acheté d'occasion bah il trouve une quantité une petite dose, enfin c'est pas une très grosse quantité, hein, une petite dose de drogue qui est assez sympa en fait, hein. Enfin sympa non, mais sympa au niveau que il aurait pu éventuellement la revendre et du coup se faire un petit billet dessus. Hashtag troll. Hein. Donc c'était assez une anecdote qui était assez sympa. Quand j'ai vu ça, je me disais ça serait cool d'en parler en vidéo parce que bon, c'est pas genre tous les jours que tu vas trouver du cannabis, du shit, de la beuh, ou enfin bon, nous tout ce qui est consommé ça en France, voilà. Ou même de la coke, bon la coke c'est carrément quelque chose de plus hardcore, hein. Ou même de la meth. Là, le petit jeune a carrément trouvé de la meth dans son jeu GTA, quoi. Donc on peut se douter à qui appartenait avant le jeu, ou peut-être que le jeu a été vendu par une inadvertance avec ça à l'intérieur. Enfin, je pense bien, hein. Donc du coup, voilà. Bien entendu, la drogue a été redonnée à la police, hein, en question. Parce que bon, on va pas ses parents n'étaient pas drogués du tout. Mais bon, une anecdote qui est assez sympa, qui est même assez what the fuck, parce que bon, vous doutez pas que... Vous doutez pas que les gens vont laisser de la drogue comme ça
dans les boîtes de jeux vidéo d'occasion. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Donc j'espère que cette petite vidéo, enfin, en tout cas cette petite information vous aura plu. De toute manière, le lien, je vous le fous dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir l'article. Comme ça, vous pourrez voir comme quoi ce n'est pas du fake. Sur ce, c'était Bande de Losers. Merci du soutien. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye, à la prochaine. Allez, ciao.